J'y crois pas. Tout est faux. Les images sont truquées. C'est pas réel. J'aimerais bien. Mais ça va plus loin que les meurtres de la station. Kane, dites ce que vous m'avez dit. Les infos volées se propagent tel un cancer et fragilisent les opérations de l'accord dans le monde. Ils connaissent nos points faibles et concentrent leurs forces dans les régions critiques. Admettez-le, Taylor est mouillé. C'est pourquoi on part enquêter sur sa dernière mission. L'alarme sous l'ancien complexe Coalescence. Peut-être qu'on y trouvera de quoi expliquer ses motivations. Et n'oublions pas les immortels. On en a buté un et amoché l'autre. Et croyez-moi, ils vont se venger. L'équipe de Taylor a répondu à un signal d'alerte prioritaire qui venait de plus d'un kilomètre sous l'ancienne usine de Coalescence. J'ai épluché les moindres informations et schémas disponibles. Ce qui se trouve là-dessous n'est sur aucune carte. La majorité de la structure a été détruite lors de la tragédie. La meilleure option est de descendre par le silo central. Merci, Kane. C'est précieux. Bon, on va suivre les traces de Taylor et on verra si on trouve des éléments de réponse là-dessous. Le drone de surveillance confirme des signatures multiples, en haut. Les 54i. Ils sont probablement déjà à l'intérieur. Sans déconner. On vient de voir des renforts arriver sur site. On aura du mal à rester discret. Ennemis multiples en approche. Dispersion. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Quetzal Games, ici Bird et Chris 92. C'est la deuxième fois qu'on tourne cet épisode à cause de problèmes de son. La faute à qui? À nous deux. Hein, c'était pas moi qui avait dû... Non. J'attends le signal. Oh, t'avais qu'à me prévenir avant aussi. C'était pas ma faute si c'est s'il y avait des échos avec ton son. C'est toi t'enregistres. Certes, mais bon. On va pas commencer à s'engueuler. Allez, si, allez, hop. Prends ça dans ta gueule. Hop. Ah, mais première fusillade en fait. De l'épisode 5. C'est quoi ça? XM23. Hop. Ah ouais, c'est le... C'est le lance-roquette. Tac. Wow, 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 wow. On se débrouille plutôt bien aujourd'hui. Bon, après, remarque, ça fait 2 minutes qu'on a commencé, donc... Je préfère pas trop m'avancer... Wow, 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 je préfère pas trop m'avancer la non plus. Positive attitude. La positive attitude. Après, trop positif. Oh, il y a un gros balèze. Une épave et il est opérationnel. Wow. Le système défensif des ASP dévie les attaques. Wow, 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 wow. Toi, je t'avais pas vu, mon con. Hop, long shot. Deux long shots. De l'ASP sous son noyau. Pour viser son système défensif, on y est prêt. Wow, wow, wow. Allez hop, on balance la roquette. Un tir parfait. Continuez de viser le système défensif. Ne vous arrêtez pas. Ouch, il m'a fait mal par contre. Ah, j'ai eu peur. Wow. La protection de la
Allez, hop. On continue. On pourra pas en encaisser beaucoup plus. Plus vite. Il faut viser le système trophy. Putain, j'ai déjà plus de cartouches de lance-roquettes. Continuez de cibler son système défensif. Ça devrait être bientôt. Le système défensif est désactivé. On peut y aller à la grenade, peut-être. Tu l'as eu? Nickel. Je crois, ouais. Ah ouais, j'avais pas vu que j'avais d'autres lance-roquettes ici. Ouais, bah là c'est la première fois que je l'avais chopé ici. Bah apparemment il y en a un peu partout. Par contre, ce serait bien des munitions aussi. Donc en gros, on va pas vous le cacher, hein, on connaît déjà ce niveau, ça veut pas dire qu'on va bien jouer. Oh non, au contraire, je pense. Hein. Ouais, on va très mal se débrouiller. Mais on a préféré retourner l'épisode du fait que bah le son du jeu était très bas. Il y avait un écho du côté de Chris et qu'on entendait mal sa voix à cause des réglages que j'avais mal fait. Voilà. Donc ça peut arriver. On a préféré retourner l'épisode. Parce que bon, il s'agirait pas quand même de faire de la merde. Voilà. Déjà que c'est assez de la merde ce que je fais, donc... C'est quoi ces vieilles techniques de genre... Comment dire, s'apitoyer sur son sort que les autres ils font non non c'est pas grave. Ok, donc on avance, il y a toujours personne et vous voyez là où je suis, y a des munitions ici, bah, la première fois qu'on a tourné je suis tombé, hein, je suis tombé comme un con et je suis mort. Mais cette fois je vais pas le faire. Ce serait bien, on pourrait pousser les autres, genre tu vas un peu trop et après il y a un mec qui vient derrière toi et te pousse. Ouais, mais soyons honnêtes et arrêtons de nous poser des questions qui n'en sont pas. Alors j'ai aussi pas mal de nouvelles capes, du coup, parce que j'ai eu des améliorations à la fin de quand on avait déjà fait. Ah, ah mais mince, allez. Ah, on peut pas monter là-dessus, ça glisse. Dommage. Pirater la tablette. Viens, faut pirater ça. Alors comment je fais mon attaque mortelle au corps à corps? Il m'écoute même pas lui en plus. Si si, j'ai entendu. Je l'ai, j'envoie les données. C'est intéressant. Petit piratage au calme, juste en posant deux doigts. Ils ont été renseignés par le CDP. Parce que j'ai toujours surcharge de masse, immolation et essaim aveuglant ainsi que neutralisation sonique. Message reçu. Mais j'ai aussi fausse alerte, je sais pas ce que ça fait. Je synchronise les données du drone sur et votre électrocution au corps à corps. Donc nous verrons bien. Je sais même pas comment tu vois ça, s'il te plaît. Avec la flèche du bas, tu restes maintenu. Ah oui, ça j'ai oublié. Pourquoi j'ai que turbo moi? C'est dégueulasse. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir que Alan a eu un reset au niveau de ses de son level, il sait pas pourquoi. Attention, tu marches. Je cherche encore alors qu'il est. Voilà, pourquoi j'ai perdu mes précieux niveaux. Il n'a plus ses capacités qu'il avait débloquées. Bon, c'est pas grave. Ça fait pour ça qu'il est level 4 et moins level 7 alors qu'on devrait être normalement tous les deux level 7. Je vois pas comment il j'avais niveau 4 en plus, cool. Ouais. J'étais niveau 3 en rentrant. Quand bien même. Ça n'explique pas le rôle Mariti et Diaz. Hop, hop. Oh putain, éboulement. Da fuck. D'une façon ou d'une autre. Hop, j'ai failli tomber dans le vide, putain. Ça donc, serait dommage quand même. Une espèce de petit drone à lumière verte. Hop, il y a des ennemis par là-bas. Merde. Oh, il y a des gros balèzes. Alors oui, on avait trouvé une astuce contre les espèces de gros balèzes bien résistants. Les seins, ça marchait bien. Oh, cette attaque au cac que j'ai. Ça va, t'es très modeste quand même. Ah non, mais sérieusement, c'est puissant. Elle est stylée. Tu vois si ça marche contre eux. Oh oui. Ça leur fait des gros dégâts. Ça a l'air de marcher quand même. Hop, je leur rebalance un essaim aveuglant parce que ça marche bien. Hop, on en a détruit un. L'autre il devait pas tarder je pense. Hop.
Voilà. Ça fait vraiment des dégâts l'attaque au cac que j'ai débloqué. C'est cool. Hop, on se met à couvert. Ah bah quand même, j'ai enfin réussi à faire exploser cette merde. Et bah voilà, ça se passe quand même beaucoup mieux que la première fois qu'on a tourné. Tout est bien qui finit bien. Allez. La porte s'ouvre et on continue de descendre avec le petit robot. J'ai vu la même chose que vous, Hendrix. Mettre un terme à cette situation avant. Ok. On court sur les murs. Ouais, t'as cassé. Ouais. Attention, tu marches. C'est pas très stable dans le coin. Putain, tu vas trop vite, Alan. Je me retrouve TP. T'es chien. J'y peux rien, c'est toi, t'es lent. Moi, je suis pas rapide. C'est bon, on va où? Bah là. Ok. Oh, y'a des robots sur les côtés. Bonjour. Tiens, prends son ta gueule. Pourquoi les robots se comportent comme ça? Bah quoi, j'en profite pendant qu'ils sont enfermés. Putain, y'a de la fumée. Après. C'est pas normal. C'est des drogués, c'est pas possible. Smoke weed every day. Je sais pas c'est quoi ça. Ok. Merci monsieur. Merci. Et maintenant? Oh, un robot. Ah, on peut pas les tuer, d'accord. N'empêche, on continue de descendre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? On est arrivé en bas là, non? Bah, tout en bas, je sais pas. Mais on est déjà pas mal enfoncé. Alors, quelqu'un veut parier 100 dollars? Ouais, parce que. On voit quasiment plus la surface, hein. Wow. Qu'est-ce que c'est? Oh, si, encore quand même. Qu'est-ce que. Oh les bâtards! Wow! Wow! Ok, je peux one shot les robots au cac. Ah. Quand j'arrive à les toucher. Ils sont en l'air. Va falloir faire quelque chose. Ouch! Non. Bouge pas, bouge pas. Heureusement que je suis mort juste à côté de toi. Heureusement. Et c'est l'autre, là. Il y en a un lance-roquette. Oh merde, il y en a un juste ici aussi. Oh merde, non. Oh merde, merde, merde. Merde, je suis pas à couvert. Putain! Bon, là c'est normal, attends, on est censé galérer à ce moment, vous inquiétez pas. Voilà. That is normal. Ah, ok, bon, ils sont encore nombreux, hein. Il y a un putain de tireur au lance-roquettes. Je crois qu'il est mort. Hop, une petite immolation du plaisir. Gain, ça n'a aucun sens. Qui est-ce qui contrôle? Écoute, si c'est du plaisir. Je ne sais pas. Pas moyen de localiser la source pour l'instant. Je continue. Hop, bon, le petit robot, il va où? Okay. Là, au milieu. Le drone de reconnaissance. Hop. On va bien voir ce trou noir. Attends. C'est plutôt sombre par là. Je vous conseille d'activer la VA. Entendu. Ok. Le vite. Oh putain. Que c'est noir. Ça va vite. Qu'est-ce que je. Qu'est-ce. Ah merde, j'ai failli mourir. T'es tombé trop d'un coup. Ouais, c'est ça. Ah. Pourquoi je suis tout lent? J'ai pas pu m'accrocher au mur. Un problème chez vous? Ah, dommage. Négatif. Les plans s'arrêtent à l'étage du silo. C'est nul. Sans le drone, on est aveugle. Ah ouais, il y a une échelle. Continuez d'avancer. D'après les coordonnées GPS, l'alarme est devant vous. Hop. Bon, équipement, c'est bon. On peut pas se... Caisse de munitions. Voilà, ravitaillement. Hop. Mais il est où, l'autre couillon? Il est là, il est là. Jimi Hendrix, Kane, allez, come on. De reconnaissance. Enfin, ce qu'il en reste. C'était sympa tant qu'il marchait. Marche plus vite aussi là. Laissez-moi regarder ce panneau. Ouais, avance là. Oh. Oh. Tu crois jouer avec qui là? T'avances, hein? Nous on a un épisode à tourner. Il y a la lumière. Bon, si cette merde était dans le monde de la tragédie. Ah ouais. Je vois la lumière. Je
On peut le casser le truc ou pas? Non. Oh. Putain, c'est solide le truc, hein. Ça reste du sang au bol, quoi. Effectivement. Bon, allez. Ah, il a ouvert la porte. C'est parti. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas grand chose là. On descend l'escalier. Chris qui est en mode couverture. On s'amuse comme on peut, écoute. Bon, il y a des robots morts là, 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 là et là. Pourquoi tu montes? Qui te dit qu'on va en haut? C'est quoi ce bordel? Bah, j'avais envie. Ah ouais, d'accord. Donc les robots, ils se réaniment. Ouais. Oh, c'est la merde. Mais non, ils sont pourris, c'est bon. Hop, je l'ai calmé. En fait, mon attaque électrique, c'est comme... comment on appelle ça? Hop, petite immolation, tu exploses dans les flammes de l'enfer. Viens là, viens là. Wow. Washigiri. Okay. C'est une attaque au coup de pied normalement, mais... Bah, Washigiri, oui. Hop, je te calme avec une attaque Kung Fu. Bruce ouais, Lee. C'est un coup de poing, quoi. T'excites pas non plus. Bruce Lee représente. Là, okay, c'est bon, j'ai compris. Je te calme. C'est quoi ces gens vénères? Bon, accessoirement, j'ai aussi une arme à feu, hein. Mais... tu peux utiliser, hein. Y a pas de restriction là-dessus. On reste vigilant. Qui sait sur quoi on va. Pourquoi une grenade? Putain, il est dangereux, Hendrix, hein. Il tire là où on est. Il s'en bat les couilles, lui. Allié ennemi, opposé. Bon, alors. On va par où, cher ami? On a plusieurs chemins. On va aller là où il n'y a pas les traces de sang, je suis d'accord. Tu peux le suivre, de toute façon c'est un héros US, il va pas mourir. Pirate panneau. C'est dans le scénar, il peut pas mourir. C'est le scénarium. Oh bon dieu. Oh bon dieu. Tout plein des câbles. Putain de merde. J'aime bien les couleurs. Hendrix, regardez ces panneaux de contrôle. On se croirait dans Matrix. Peut-être extraire quelque chose des disques locaux. C'est bon, Kane. Vous y êtes. Ça ne devrait même pas être là. Les tests d'IDN sur les humains n'étaient pas lancés au moment de l'accident. Pas officiellement. C'est vraiment bizarre tout ça, hein. Je pense pas que ces gars aient été volontaires. Ils sont tous reliés à un serveur central. Ça oh, sent embrouille tout ça, ça sent embrouille. Ouais. Je suis d'accord. Jed Young. C'était notre contact? Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. S'il est mort, pourquoi... Pourquoi on a trouvé des gars de la CIA assassinés selon son mode opératoire? Juste une minute, Kane. La CIA nous amène. Elle nous met en contact avec un inconnu. Et on se retrouve sur un site classifié de la CIA. Ouais, c'est louche tout ça, c'est louche, hein. Ça c'est trouble. Rix. Tu vas paniquer l'intrigue quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec plaisir. Non, mais moi je connais c'est pas après ça en plus. Moi non plus. Mais ouvre grand les yeux et les oreilles. Surtout avec Kane. D'accord. Tout va bien, Hendrix? Moi et Kane, ça va. Ok. Je capte une activité réseau dans une salle de serveur, quelques étages plus bas. Hey! Ça peut pas être une coïncidence. On y va. Ok. Bon, en gros, c'est la merde, on est dans Matrix. J'y vais si je veux. Qu'est-ce que c'est que ces squelettes? Putain, mais y'en a plein pour les cours d'SVT, c'est cool. Ouais. Par contre, on voit que Pouic. Hop. Ah, que Pouic quand même. T'as osé. Merde, la vision est brouillée. Putain, ils font chier. Fait chier. Moi, j'aime bien le décor, hein, là n'est pas la question. Mais... C'est pas super pratique pour voir. Comment on passe? J'ai besoin d'aide pour monter. Je peux peut-être trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Ouais, soit mon ouais. Utilitaire. Oh, 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 si, si.
Si, si, la courte. Ouais, je n'empêche. La courte échelle, là. T'as vu? N'empêche, c'est quoi? Comment il a fait pour bondir jusque-là? Menteur. À moitié robot, je te rappelle. Ouais, je m'en fous. J'ai rien ouvert. On se ravitaille. Ça peut être utile. Ah, c'est de l'eau. Oh putain, on a été enfermé. Ils sont dans l'eau. Putain. Attends, je rêve ou j'ai plus ma cape de corps à corps? Ah si, je l'ai, mais il donne plus de coups de main. Ok, corps à corps. Fais gaffe derrière toi. Ah putain, il m'a eu le bâtard. Je suis sous l'eau, je vais me noyer. Oh putain de sa mère la pute. Eh, comment tu parles? Faut dire, moi j'arrête pas de parler avec un accent marseillais depuis tout à l'heure. Voilà, donc ne m'énerve pas s'il te plaît. Puis je dis les choses comme elles viennent. C'est bien, tu as du frein parler. Ah bah il faut, écoute. Voilà. Putain, on a rien. Là on est de putain d'êtres humains normaux. Ah putain. Non. Non, ah, les bâtards. Moi. Oh les bâtards, mais non. T'es où? Enfin, la question que je devrais poser, c'est pas t'es où, mais plutôt eux, ils sont où? Glou, glou, glou. Ah, ça va, bouge-toi. Ah, merde, je viens de mourir, là. T'aurais dû bouger plus vite, je suis mort. Non, mais c'est bon, ils sont plus là, je te réanime. Ah, ben. On peut avancer. Bonjour, bonjour. Ouch. Hey, on est piraté, mais ah, c'est bon. Bien, on récupère nos... Je capte une grosse surtension. Voilà, on est piraté dans le bon sens du nos terme. Nos capacités. Ça grouille de robots là-dedans. Qu'est-ce que... Regarde derrière toi. Ouais. Hop, je l'ai one shot avec mon attaque au corps à corps. C'est bon? Ça, c'est bon pour toi? Bah écoute, de mon côté, il y en a plus. En tout cas, qui bouge. Ok, bah vas-y, on avance. Tu sais que ça ressemble de plus en plus à un c'est complexe bon, bon. De recherche en armement qu'à un laboratoire biotech. Les produits chimiques libérés pendant la tragédie n'ont c'est jamais pas été là. Clairement identifiés. T'es sûr? C'est un peu plus long. Ça a été étouffé. Ah ouais. Hop, glissade dans l'escalier. Non, choisir l'équipement, il n'y a pas besoin. Wouhou, un petit ascenseur. Ah, et on descend encore. Ouais. Le sang sur nos mains ne peut pas être lavé. Ah, il y a du gaz. C'est vous génial. Je vous demande de partir. T'as vu? On est allongés tous les deux. Un peu comme des worms, en fait. C'est ça. On va à la guerre. Vas-y, je fais des squats. Utilise son IDN pour transmettre et deux. Données stockées ici. Et trois. Dirige et quatre. Est serré. Et cinq. Et six. Un. Et sept. Deux. Trois. Et huit. Quatre. Mille. 1500. 2000. 2500. Et douze. Et treize. Nous devons l'arrêter. Nous devons. Vas-y, maintenant je vais faire des pompes sans les mains, t'as vu? Il est en train d'envoyer tout ce qui se trouve sur ses serveurs. Des pompes sans les mains, bah putain, un, t'es balèze quand même. Deux. Trois. Ah, c'est galère sans les mains quand même. Quatre. Voilà. Bon, allez, on avance. Putain, t'as de l'électricité partout quoi. Hop. Ok, ok, c'est bon. Ok, à bon, couvert, à couvert. Ah là, clairement, c'est pas The Place to Be. Hein. The Place to Be, c'est la montagne. Oh putain. Tu connais cette chanson, hein? Oui, je connais, mais pour l'instant, si on pouvait éviter de dire de la merde pour ne pas mourir, ça m'arrangerait. Ah, quoi? Comment ça, je suis mort? Merde, qu'est-ce que c'est, ces conneries? Ah, limite, ça passe! Je les vois même pas, quoi. Ouch! Il m'a frappé avant! Laisse
T'es où? Ah, t'es là-bas. Il faut détruire ces poteaux là. C'est bon, c'est fait. C'est plus simple avec la vision thermique, clairement. Ah ouais? Ouais, parce que avec la, comment dire, avec la luminosité qu'il y a, j'arrive pas trop à les voir. Oh, il grimpe, il grimpe. T'as vu? Il monte à l'échelle, tout ça. Allez, je lance la grenade dans le trou. Vas-y, lance donc la grenade dans le trou. Et boum! Grenade à sauter. Hey, est-ce que ça a marché? Oui, c'est bon. Noyau central à 66%. Ok, donc normalement, on le fait encore deux fois. Si je suis pas trop con en maths. Hop! Plus vite, hey. J'ai pas tenu longtemps à suivre. Nickel. Ouais, le deuxième. Oh putain! Oh non, mais je croyais que tu... Ah ouais, je croyais que tu couvrais derrière. Bah non. On allait dans la même direction. Putain, ça va être vraiment la galère là, moi je te le dis. Bah attends, j'essaie d'en éliminer un maximum. Ok. Par contre, je vais mourir, je vais pas. Ok, j'ai calmé celui-là. Ouais, oui, mais je peux pas venir préanimer si je me fais assaillir par des ennemis. Pas de soucis. Pour ça, j'essaie d'en éliminer un max. Ah, bah, de toute façon, c'est trop tard. Ah merde. Je reviens dans 10 secondes. Comme ça, je verrai. Oh, c'est bon, t'en as. Derrière toi, y'a rien, c'est bon. Ok, j'ai détruit le deuxième noyau. Voilà. Je suis là. Voilà, je vais grimper. Tac, deuxième grimpette. Avec du coup, deuxième grenade. C'est cool. Ça a sauté. Kane, c'est bon de votre côté. Et où est le troisième? Encore une. Oh, ça viendra. J'attaque la troisième. Derrière. Ah, cool. Ah non, il faut défendre Hendrix, d'accord. Jamais des mots qui viennent de se finir, c'est génial. Ok. On économise les balles. Il reste ici, il faut défendre. Oh la bah, pute. Moi je défends en attaque. Ok. Là, ça se passe good. Ok. Ça se passe bien. C'est bon. On peut aller s'occuper du dernier truc. Ouais, non, non, voilà. C'est bon. Ils sont nombreux ces bâtards. Ouais, mais bon, ils sont tout lents, donc ça va. Ça va, ouais. Je grimpe. Hop, esquive les robots et tout. Ta, t'as pas le skill. Je parle aux robots, hein, pas à toi. Bon, enfin, pour l'instant, les robots, je suis surtout en train de les tuer, donc. Ah, voilà. Mais c'est moi qui ai détruit le truc. Ça va, je suis pas trop lourd. Non, on est en forme aujourd'hui, on est en forme. Bon, on n'est pas mort trop de fois, c'est déjà ça. Ouais, ça va. On ne doit pas le perdre, Hendrix. Vous devez vous connecter et extraire un maximum de données de son IDN. Vous savez que ça lui grillera le cerveau. Je sais. Vous ne comprenez pas. Je connais ce type. Je me suis battu à ses côtés. Il n'a pas mérité de partir comme ça. Je suis désolé. Tout va bien, Hendrix. Je la vois. La forêt enneigée. Je te vois. Oh putain. Ah mon dieu. Toutes ces images porno dans ta tête. Vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu, Henry? Que tu es vilain. Il y a eu quelque chose? C'est bon. Hendrix. J'ai pris mon pied. It's a good. La tragédie de coalescence.
Il a déjà quitté Singapour. Mais comment est-ce qu'il a pu partir? On ne trahit pas son pays sans se faire de nouveaux amis. Merde. On a de la visite tout en haut. Ah mais tout en haut, c'est à des kilomètres au-dessus, non? De quoi? Si on a des problèmes tout en haut. Oh. Ils sont en bas. Elle a pas l'air gentille, la madame. Puis ils sont appelés immortels, quoi. C'est quand même sacrément prétentieux. Ouais. Et comme dans... Comment on appelle ça? Dans 300, les immortels. Je mets leur nom à l'épreuve. Ouais, bah... ils sont morts. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh merde! Merde, 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 on commence à être noyé. Clac! On va crever, les gens ils veulent quand même me tuer. J'arrive, j'arrive! Dégage-toi, oh! Oh! On se calme, merci, hein! On se calme, là, hein! Moi, je vous mets des coups de tatane, hein! Des coups de claquette fila dans la gueule! Voilà! Ça va filer, oh, ce fail! Hop. Ouvrez cette porte et inondez le labo. Mais la porte. Vous êtes dingue. La porte, putain. La porte, putain. Vos poumons devraient contenir bien. Et on a un nouveau trophée, distance d'inertie aussi. Okay. Vous si avez vu dégénère, hein, je reviendrai. C'est magnifique. Je vais pas te mentir, ça commence à devenir chiant. je veux pas te mentir. Merde, c'est bloqué. Je dois pirater le système d'ouverture. Couvre-moi. Putain. Ok. Encore quelques secondes. Hop. Hop. À court de balles. J'ai identifié les survivants de la trajectoire. Moi à court de vie. Réanimation, c'est parti. Et c'est parti. Merci. Hop, immolation. Par le feu. Allez, faut pas qu'on traîne ici. Ok, je viens ouvrir la porte avec toi. C'est très low. On est sous l'eau. Putain, oh, j'oublie quand même pas de te tirer sur la gueule, hein, ça y a pas de soucis. Ouais, t'as vu? Ravitaillement, je veux bien, ouais. Ravitaillement, je veux bien. Pourquoi je peux pas ravitailler? Pourquoi? Moi j'ai ravitaillé, c'est bon. Ah, okay, c'est par contre, on va être à court d'oxygène, alors si vous voulez bien ouvrir la porte, monsieur Hendrix. Ah. Chris? C'est pas par là? Ouais. Merde. C'est à cause de toi qu'il ouvre pas la porte, hein? Ouais, bah je peux rien. Ah ouais, c'est tout en haut. Non. Okay, c'est où? On reste bien groupés. Là. Regarde-moi, Chris, regarde-moi. Derrière. Derrière. Ah ouais, ok. Faut suivre le point, hein. Je le voyais pas, le point. Allez, Hendrix, ouvre-nous la porte. Ça va exploser! Voilà. Oh putain, 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 putain. Aïe. Ouch. Oh.
C'est bien, on remonte vite comme ça. Ok, on reste bien groupé. On n'est pas encore tiré. Ok. Attention. Oh putain, des mines. Il y a des mines. Ouais. On peut les détruire. On dirait que ce sont des mines qui te suivent. Je crois qu'on est arrivé. Ouais, bien joué. Ouais. De l'air. Les vraies respirations. Oh putain, à ce moment-là. On se fait attaquer par un nadav, tirons dessus. Bah non. Il a cassé tout seul. Mon jouet, il est cassé. Ça va aller. Kane. C'est pas bon. Diaz a transmis l'emplacement de toutes les bases de la CIA dans le monde, y compris celle-ci. C'est confirmé par le drone. Les immortels et sont merde. Déjà... On ne peut pas les arrêter. Ils ont toutes les planques. On est dans la merde. Dans la merde. Mais non. Dans la merde. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Sinon, un pouce rouge, liberté d'expression, tout ça, vous connaissez. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans la description. Et pour les petits oiseaux fraîchement éclos, abonnez-vous. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser des questions en dessous de la vidéo dans les commentaires, c'est prévu pour. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook et Twitter, ainsi qu'aller jeter un œil aux pages de Quetzal Games sur les réseaux sociaux cités plus tôt. Vous pouvez aussi voter pour la chaîne sur YouTube Explorer et parler de Quetzal Games à vos amis et à votre famille. C'était Bird sur Quetzal Games, à la prochaine, bye bye.